1948, à Elabrun comptait 650 chrétiens. C'était un village chrétien entouré de quelques tribus bédouins. Et le 30 octobre 1948, l'armée israélienne rentre dans le village. Toute la population s'est trouvée à l'église. Les soldats arrivent et ils donnent l'ordre de faire sortir toute la population. Les soldats ont choisi 14 jeunes. Et les soldats, ils ont pris les enfants, les jeunes, et ils les ont fusillés 3 par 3. Et 3 sur la place du village. Ça, c'est mon oncle qui était fusillé ici. 2 kilomètres après le village, ils ont fusillé mon grand-père. Ma grand-mère, elle s'est cachée avec 5 enfants. Et sur le chemin du retour, ça a pris plus qu'un mois. Elle se cachait le jour, elle marchait la nuit, elle avait toutes les difficultés d'arriver ici. Dans tout le village, on avait volé tout ce qui existait. Il y avait quelques vieillards qui sont restés, et avec le prêtre qui est resté aussi. Le jour où ils sont revenus, ils ont voulu déterrer les morts qui ont été dans une fosse commune. Et ils sont venus chez la grand-mère en lui disant, il faut venir voir le fils et faire le deuil, et elle a refusé. Elle a dit, moi je suis pour les vivants. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas le faire le deuil. Moi, c'est mes enfants aujourd'hui, c'est la vie. Que Dieu leur pardonne. Il leur pardonne aux soldats et ceux qui ont fait cela. Et le jour même où il y avait toute une messe de requiem pour tous les morts, elle a pris le cheval pour aller labourer la terre. Elle nous a formés dans cet esprit-là, d'aller vers la vie, de choisir la vie, de choisir le pardon. Et elle disait cela, même dans les moments les plus difficiles, de ne pas pleurer. On l'entendait la nuit. Sur Nazareth, la ville de l'Annonciation, une ville qui aujourd'hui 72 000 habitants, moitié chrétiens, moitié musulmans, qui au départ c'était des quartiers différents, le quartier musulman, quartier orthodoxe, quartier latin. Aujourd'hui c'est une mélange, c'est un lieu de mélange, et Nazareth a toujours donné une impression de vécu commun très important. L'important pour moi aussi, c'est la quantité et des élèves qui sont à l'école. Ce n'est pas simplement une école pour les chrétiens, mais c'est aussi une école pour les chrétiens et les musulmans qui peuvent vivre une fraternité ensemble, que nous pouvons préparer les jeunes chrétiens comme les jeunes musulmans à des études, à l'université.
On n'a pas des élèves juifs parce que la langue de l'enseignement, c'est l'arabe. Et bien sûr aussi l'hébreu dans plusieurs, mais la langue maternelle des élèves, c'est l'arabe. Donc il y a tout un problème dans la communication. Il y a aussi des programmes différents pour les élèves juifs dans la Bagrout, comme dans le bac, et pour les élèves arabes. De là, nous avons non pas des élèves, mais plusieurs programmes de rencontres avec des élèves juifs. Parce que notre but, c'est faire entrer le plus grand nombre de nos jeunes dans les universités israéliennes, ce qui permet véritablement à constituer l'élite du pays. Et l'élite aujourd'hui, pour moi, du pays n'est pas l'élite politique, n'est pas l'élite sociale, c'est avant tout l'élite intellectuelle. L'intifada n'est pas une affaire simplement militaire qui s'est passée en l'an 2000. L'intifada était une crise. Les juifs se sont demandé qui ils sont. Et quand ils peuvent dire qu'ils sont juifs, les Palestiniens, les Arabes israéliens, c'était une crise d'identité. Mais pour moi, ça a été une crise d'identité pour dire qui je suis, mais qui je suis avec l'autre. Le voyage à Auschwitz est venu comme une sorte de volonté de dire assez pour les méthodes anciennes. L'invitation était faite au monde juif, prenez-nous avec vous dans la souffrance, dans l'histoire, dans tout ce que vous êtes, et prenez-nous à Auschwitz. Auschwitz était l'élément qui, aujourd'hui, comme un titre de l'horreur qui s'est passée pendant la Shoah. Et beaucoup de Juifs ont répondu oui, beaucoup de Juifs ont répondu non. Beaucoup d'Arabes ont répondu oui, beaucoup d'Arabes ont répondu non, c'est pas le chemin. Qu'est-ce que vous allez faire dans la souffrance? Qui souffre aujourd'hui? C'est la population palestinienne, c'est pas la population juive. Pourquoi nous faire reculer 60 ans en arrière? Et nous étions 500 personnes, des juifs et des arabes d'ici, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des libres penseurs français, belges, et qui ont fait cette démarche, et qui a été à la base une démarche personnelle, une démarche pour dire « laissons-nous toucher par cette réalité ». Et véritablement, les 4 jours à Auschwitz étaient simplement des journées de l'esprit, où Auschwitz est le lieu de la mort, et là où on ne pouvait pas imaginer que la vie peut ressortir, les gens qui ont fait ce voyage ont ressenti que là où la vie ne pouvait pas ressortir, on pouvait s'attendre à une nouvelle vie. Et l'expérience a été pour le monde juif, un étonnement total, parce qu'on l'a fait avec tout le plus grand respect possible, imaginable. Avec le monde musulman et chrétien, cette initiative était faite non pas pour demander pardon. Les musulmans n'ont rien à demander pardon. Ils ne font pas un mea culpa sur cette réalité de la Shoah, mais qu'ils le font à partir de cette unité. De cette unité, de cette solidarité, de cette réalité qui sont contre toute persécution humaine et que le monde musulman devait le dire. Toute cette réalité que le monde musulman pouvait entrer dans l'antisémitisme ou l'antisionisme ou l'antijudaïsme, peut-être qu'on voulait, et que le monde musulman doit se purifier de cela. Où le monde arabe doit se purifier de cela. Il y a un conflit avec les juifs, personne ne nie. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-bas, si je suis chrétien, si je suis musulman, si je porte tel ou tel... Vous êtes devant l'humain anéanti. Et vous voulez croire
dans l'humanité et dans la force de l'humanité et dans la force que vous pouvez relever cette humanité. La population juive qui a écouté, c'était en pleurant, en silence. Parce que jamais, je dirais jamais, on avait des gens, des ennemis potentiels. On dit à un autre, allez, raconte-moi ta souffrance, sans me rendre la monnaie. Et la population juive, je crois, était très très touchée par cela, par ce geste qui n'avait aucun sous-entendu, qui n'entendait aucun chose en retour, qui ne demandait aucun geste en retour. Et qui, pour moi, nous libérait tous. Il fallait voir comment les gens ont vécu ces journées. C'était des journées de l'esprit. C'était des journées d'une libération totale. Des jeunes musulmans, on ne se sentait plus, on avait honte de dire qui est musulman, qui est juif, qui est à Auschwitz. Dire qu'on appartient à telle ou telle réalité. On est devenu un, on est devenu les souffrants, les pleurants. Tout le monde veut prouver qu'il a raison. Et moi, je pense qu'elle est le lieu de la rédemption. Si nous pouvons véritablement prendre le chemin de Dieu et non pas le chemin des hommes. Dans l'histoire de la tragédie de ma famille, j'ai été blessé. J'ai trouvé la grand-mère pour me défaire, dépasser. Une personne qui dit, voilà, il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut rentrer dans autre chose. Et je pense que c'est là où véritablement on retrouve sa dignité humaine. Et on n'est pas des traîtres, ni du sang de mon grand-père, ni du sang de mon oncle, mais au contraire, nous pouvons aujourd'hui, je peux aujourd'hui, entre toutes ces réalités, me mettre à l'écoute, à un dialogue, à un dépassement, à un amour. Parce qu'en fin de compte, je ne peux pas faire bouger ce monde sans l'amour.
abunit pesh meyum